forcément, il y a eu un impact après le passage au payant. Donc, c'est passé en payant le 8 mai 2017. Et évidemment, bah, les gens n'étaient plus là par hasard, faisaient la démarche de venir au zoo. Donc, on a diminué notre fréquentation. Mais on a quand même fait l'année dernière 450 000 visiteurs, dont 250 000 encore entrées gratuites du 8 mai. Cette année, on a ouvert dès février. Et donc au 8 mai, qui est la date d'ouverture officielle en payant l'année dernière, on est déjà à 90 000 visiteurs. Les passes annuelles des Lillois, c'est effectivement pour leur permettre d'avoir un accès donc, privilégié et gratuit pour les Lillois le mois et les mois. Donc ils font des démarches sur internet ou en mairie de quartier pour faire la demande. On est à 16 000 passes en 2017 d'édité et cette année on est déjà à 9 000 demandes de plus. Aujourd'hui, on ne maîtrise pas les budgets parce que c'est la trésorerie publique. Donc évidemment, les recettes ne nous parviennent pas directement. Après, les projets sont déjà en cours et étaient déjà dans les tuyaux. Maintenant, potentiellement, ça peut nous amener à renégocier des budgets de fonctionnement ou des budgets d'investissement de la part de la ville, si évidemment cela le permet.